tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire un What's in my iPhone 4, donc c'est ça. Donc c'est un iPhone 4 et je suis avec la compagnie TELUS. Va-t-il focusser? Donc je suis avec TELUS et en ce moment il est 17h40 et nous sommes vendredi le 20 mars. C'est quoi mon mon écran, donc c'est ça. Donc c'est Chandler Riggs avec Judith dans The Walking Dead. Et c'est ça. Et mon étui pour l'instant, c'est celle-là qui est écrite The Walking Dead. Et là, il y a comme l'évolution de l'homme. Et là, il meurt et là, il devient un walker. Donc, c'est ça. Et là, j'ai tout ça. Donc, je vais vous montrer mes applications. Donc, ici, j'ai téléphone, qui est mon téléphone. Ensuite, calendrier, mes photos. J'en avais plus, mais là, je les ai toutes mises sur mon ordinateur. Désolée pour le bruit. Puis là, la plupart des photos que j'ai, c'est de Chandler Riggs. Comme ça. Oh! C'était le petit garçon que je garde. Ensuite, j'ai l'appareil photo, mes notes. Que sérieusement, j'écris vraiment pas grand-chose dans mes notes. Ensuite, j'ai kiosque que j'utilise pas. Réglages, iTunes Store, App Store, Safari, vidéo. Et ensuite, j'ai une petite catégorie utilitaire. Donc, contact, calculette, boussole, dictaphone, bourse, game center, horloge, passbook, rappel. Et ensuite, ici, j'ai plan, météo, mail, FaceTime, PD. Puis ceux qui savent pas c'est quoi, ok. Bon, là, désolé les gars, là, qui vont voir ça. Oh non, je vais pas le dire, les gens vont savoir c'est quand je vais être dans ma semaine. Mais c'est une application. Attendez, je reviens. Désolée, là, ma soeur criait. Donc, c'est ça. PD, là, c'est genre Period Diary. Puis c'est genre, tu peux écrire toutes tes choses quand t'es dans la semaine et tout. C'est vraiment utile. Puis ensuite, j'ai ma musique. Donc, je suis en train d'écouter du Emily Kinney. Que j'aime beaucoup. Puis j'ai pas vraiment de musique parce que j'écoute pas vraiment ma musique sur musique. J'aime mieux l'écouter sur iTunes. Ensuite, ici, sur la deuxième page, j'ai mes jeux. Ah, puis en arrière-plan, c'est moi pour mon chat. Mon chat Garfield. Attendez, vous allez mieux voir si je fais ça. Oh my god, désolée, ma soeur, elle m'énerve vraiment. Elle est avec son ami. Ensuite, j'ai l'application. Est-ce que ça va focusser? Ok. Donc, j'ai l'application de Maze Runner, qui est un jeu comme Temple Run, mais façon Maze Runner. Ensuite, j'ai Jetpack, Flappy Bird et Geometry Light. J'utilise vraiment pas beaucoup mes jeux, mais bon, c'est au cas où. Exemple, à mon chalet, là, deux fois je joue. Et ensuite, on passe ici, qui est le plus intéressant. Donc, j'ai mes messages textes. Ensuite, j'ai iTunes, que j'ai quand même pas mal de musique. Ensuite, il y a une petite catégorie qui a un cœur et un bonhomme. Oh! Donc, c'est ça, c'est mes applications que j'utilise souvent. Donc, j'ai Facebook. J'ai un Facebook personnel, mais j'ai aussi une page Facebook qui est Make Beauty Love Fashion XOX. Donc, vous pouvez aller voir si vous voulez. J'ai Messenger qui est accordé avec Facebook. Snapchat, donc j'ai un Snapchat. Il va être aussi écrit dans la barre d'infos. Et c'est Meg Turgeon avec 2G, je pense. Ensuite, Wattpad. J'ai une histoire sur Wattpad qui est à propos de Vampire Diaries, mais j'y vais plus vraiment, mais ça va être encore une fois dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai un Ask, donc mon Ask va être encore écrit dans la barre d'infos. J'ai un Kick, mon Kick va être encore inscrit dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai cette application, la page pour Facebook, que ma page va être écrite dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai Remote, c'est vraiment cool. J'ai Tumblr que je l'ai installé hier. Donc, c'est ça. Et ensuite ici, j'ai mes trucs pour la caméra, donc j'ai Instagram qui va être dans la barre d'infos aussi. J'ai Studio que je peux voir vos commentaires et tout que vous avez laissé sur mes vidéos. Donc, c'est ça, attendez là. Je peux voir vos commentaires et y répondre directement là-dessus. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai We Are It que j'aime vraiment regarder les photos. Ensuite, j'ai... Oups! J'ai Afterlight que je peux éditer mes photos, Fused, Whitegram, Abonné Plus. Ben ça, c'est juste dans le fond pour sur mon autre Instagram, parce que oui, vous allez me trouver bien quétaine, mais j'ai un Instagram de The Walking Dead, ok? Puis là, je peux voir comme mes abonnés perdus, puis tout, là. C'est ça. Mais je l'utilise pas pour avoir des followers, là, inquiétez-vous pas. Ensuite, j'ai Galaxy.
Et Pinterest, que j'ai installé hier aussi, mais que j'avais déjà installé. Puis Few, c'est comme tu mets deux photos, puis tu peux les mettre ensemble. Et Watergram, c'est quand tu mets des bandes blanches à côté de ton... de ta photo. Donc c'est ça ce qu'il y a sur mon iPhone. Et donc c'était tout sur... c'était tout sur ce qu'il y avait sur mon iPhone. J'espère que ça va vous... J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans mon prochain vidéo. Bye tout le monde!